Salut, bienvenue chez Peter Parker, alias Spider-Man, comme on disait quand j'étais petit. Entrez les petits amis. Aujourd'hui, on teste Amazing Spider-Man. Non, il faut que j'arrive à faire un effort en anglais, sinon ma femme va me tuer. Amazing Spider-Man 2. Voilà, donc Amazing Spider-Man 2, comme ils le disent eux-mêmes dans le jeu, parce qu'ils disent pas Spider-Man dans le jeu, ils disent Spider-Man, comme moi je disais quand j'étais petit. Alors, est-ce que c'est un hommage à tous les gens de ma génération qui ont connu le vieux Spider-Man? Je ne sais pas, en tout cas ça m'a bien fait rire. Ça fait pas sérieux dans un jeu sur Spider-Man. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas un très bon jeu, soyons honnêtes, mais je m'en fous, j'adore Spider-Man, donc je vais le poser là. Ça sera très joli, voilà. Et on va jouer aujourd'hui donc à Amazing Spider-Man 2. Souvenez-vous, il y a 2 ans déjà, on avait joué au premier Amazing Spider-Man que j'avais trouvé très bien, alors qu'il était pas top, hein, honnêtement, mais on s'en fout, c'est Spider-Man. On est là entre les buildings et tout, enfin voilà, c'est un truc dont on rêve depuis qu'on est gosse. Donc là, il n'y a pas de gros progrès par rapport à l'autre épisode, mais sur moi ça marche. Que voulez-vous que je vous dise, voilà, on se refait pas, c'est comme ça. Alors regardez, je suis dans une boutique de comics avec Peter Parker, parce qu'il y a des petites missions où on est en Peter Parker, pas en Spider-Man. Alors là, c'est pas une mission, c'est une boutique de comics où on peut traîner, où il y a une borne d'arcade, magnifique d'ailleurs, Spider-Man, qui sert en fait d'entraînement pour la baston. Bon, je vais pas le faire parce que la baston, on en verra suffisamment. Il y a des posters qui sont en fait des artworks que vous pouvez débloquer au fil du jeu. Et surtout, il y a des comics. Alors regardez, il y en a plein là. Il y en a plein les bacs, mais il y en a ici qui sont des comics qui se débloquent au fur et à mesure. Vous récupérez des pages de comics. Et vous pouvez ensuite regarder, donc par exemple, voilà, on va regarder celui-là. C'est contre Kraven. Ah, j'adore Kraven, j'adore ce personnage. Et regardez, il y a carrément la BD, je peux vraiment zoomer de manière importante, on peut vraiment, vraiment les lire, c'est assez hallucinant. Il y a vraiment toute la BD, donc c'est quand même impressionnant. On peut prendre son temps pour les lire, c'est un beau petit cadeau. Ah, voilà Kraven, vous allez le voir tout à l'heure. Alors du coup, regardez, les chaussons de danse. C'est quand même terrible, cette espèce de tête qu'ils lui ont fait, avec le cordage, on dirait qu'il a une queue de marsupilami, mais en fait c'est juste un bateau qui est derrière lui. Voilà. Mais surtout, ce qui est classe avec cet homme-là, c'est que vous l'avez remarqué, il a un blouson qui est un 2 millions, carrément, ça je trouve ça absolument génial. Son blouson c'est un 2 millions, voilà, ça se porte, ça se porte comme ça, c'est très joli. Et il louche un petit peu, voilà. Ça c'est le Kraven d'origine, donc c'est génial de pouvoir le... Il s'appelle le chasseur en français, je crois. C'est génial de pouvoir le lire dans son jus avec les dessins de l'époque de Spider-Man, vous voyez, avec ses sens d'araignée qu'il travaille. Voilà, ah là il est mieux coiffé, il est mieux, il est beaucoup mieux. Voilà, donc ça fait partie des petits plaisirs de ce jeu. Il y a toujours eu ça dans tous les Spider-Man depuis longtemps. J'adorais ceux d'Activision à l'époque. Sur la première PlayStation, je trouvais ça fabuleux. Il y a aussi des figurines, bon c'est plus anecdotique, mais on peut les regarder, on peut zoomer. Ça permet de voir un peu les modèles 3D, donc là on voit Peter Parker. Avec l'araignée, on peut zoomer, on peut se déplacer, etc. On peut même voir de très très près ce qui se passe, jusqu'à la couture du pantalon, etc. Bon, je vous fais pas tout voir, mais voilà, c'est des petits trucs, des bricoles qu'on gagne, mais quand on est collectionneur, ça fait toujours plaisir. Et puis alors, regardez le petit clin d'œil, qui c'est le patron de la boutique? Peut-être son visage ne vous dit rien, mais je vais sortir mon appareil photo. Regardez, c'est Stan Lee en personne qui fait une petite apparition en tant que marchand de la boutique de comics. Il est pas mal modélisé. Contrairement à la plupart des personnages du jeu, c'est vrai que techniquement c'est quand même à la ramasse hein, par rapport à ce qu'on peut voir dans, je sais pas, dans Watch Dogs, dans GTA, etc. Vous allez voir que la ville de New York est vraiment réduite à son strict minimum, il y a quelques voitures, il y a quasiment pas de passants, enfin c'est vraiment le minimum, on fait beaucoup mieux aujourd'hui. On est sur PlayStation 4 aujourd'hui quand même, j'aurais pu faire un effort, mais... Je m'en fous, pour moi ça marche quand même, je sais pas, c'est vraiment un truc de gamin, hein. Je reconnais. C'est Spider-Man, alors Infamous est 1000 fois plus joli, c'est Gonson, Prototype aussi et tout, mais c'est pas Spider-Man. Voilà. Là c'est Spider-Man et ça marche. Là je suis dans une mission qui se passe de nuit, donc on va voir un petit peu vite fait Manhattan de nuit, et après je rentrerai à la maison me changer, on va lancer une autre mission. C'est pour vous faire voir un peu la ville de jour et de nuit. Entre parenthèses, j'aimerais bien parler à Fisk pour voir ce qu'il sait sur tout ça. Le Fisk, c'est pas les impôts. Ça m'étonnerait qu'il soit prêt à discuter avec le premier venu. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, enfin, bref, il s'appelle Fisk, évidemment. Alors, regardez, je suis dans la ville, je me balade où je veux. On voit une carte de Manhattan qui est quand même assez simple, mais. Mais il y a quand même tout, il y a Central Park et tout. Il n'y a pas le Muséum d'Histoire Naturelle, il n'y a pas le Guggenheim Museum, pour ceux qui connaissent New York. C'est New York vraiment à gros traits, quoi. C'est vraiment pas, c'est pas hyper réaliste. On a connu des jeux qui montraient New York sous un meilleur jour que ça.
Mais ce que j'adore, regardez, c'est sa façon de se déplacer. Je sais pas si vous voyez ce que je fais avec mes petits doigts. J'ai le pad de gauche pour balancer mon fil à gauche et le pad de droite pour balancer mon fil à droite. Donc le mouvement est assez naturel en fait. On se prend vraiment au jeu. S'il n'y a rien pour s'accrocher, il vous le dit. Il dit oulala, il faut un truc pour s'accrocher. Il fait ses petites vannes comme toujours. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Et si j'appuie sur les deux en même temps, je prends deux élans. C'est toujours génial, mais parfois je suis super. Ah, si je me dépêche pas d'aller à la levée de fond. Voilà, donc il monte, il prend de l'élan. Vous avez vu qu'il est remonté beaucoup plus haut. Voilà, il a aussi un petit truc catapulte qui lui permet de se balader. Il peut grimper sur les murs. C'est quand même hallucinant de voir à quelle vitesse se retrouver sur le toit d'un immeuble. Et puis il y a un petit système qui est assez fabuleux, qui permet de figer le temps, voilà, pour aller se poser bah, là où on veut, carrément, genre là, voilà, et il y va directement. Ça c'est la tour Oscorp, vous la voyez là-haut, avec le papa, le gobelin et tous ces trucs, le rhino. Alors ça suit pas le film Amazing Spider-Man, ça suit un peu, il y a deux trois trucs, il y a deux trois références, mais ça suit pas du tout le scénario du film. Qui est assez excellent d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Il y a de l'humour, vraiment, dans ce film. C'est vraiment des trucs super drôles, ce qu'on aime bien avec Spider-Man. Et ce qu'on retrouve dans le jeu, parce que vous va tendre l'oreille un peu, vous allez voir qu'il passe son temps à faire des petites vannes. Voilà, pour le moment, j'essaye de rejoindre le métro pour rentrer chez moi, parce que dans ce jeu, c'est assez marrant, pour rentrer chez soi, il faut prendre le métro. La question que je rate, cette levée de fond. Il doit habiter... Oui, là, il fait des petites références à la mission, on s'en fout un peu, on va pas la faire. Il doit habiter en banlieue, Spider-Man, comme il l'appelle. Ah, une course-poursuite. Non, je ferai ça tout à l'heure, si vous êtes sage. Il faut avoir deux, trois trucs. Je vais d'abord rentrer à la maison pour vous faire voir les costumes, ma petite maison. Ah là, j'avais l'occasion de récupérer une page de comics. Donc, au début, il faut une dizaine de pages pour former un comics, puis après 20, puis après 30, puis après 40. Voilà, ça prend un peu de temps, mais au fur et à mesure qu'on se balade dans la ville, on trouve des pages de comics un peu partout. Donc là, on est tranquille pour pouvoir... J'essaie de pas me faire écraser quand même. Voilà. Je monte sur le toit du métro et j'ai le droit de rentrer à la maison. Oui. Donc là, vous allez voir que le plus chiant dans le jeu, c'est les temps de chargement. On est en 2014, les gars. Pourquoi un temps de chargement pour aller chez Tante May, en plus? Je sais pas, c'est pour la rime. Tante May, temps de chargement, j'ai pas compris. Voilà, c'est vraiment débile. C'est juste voilà, pour charger ça, franchement. Donc vous voyez ma petite piole de Peter Parker. Et là-dedans, des costumes. Donc, je peux choisir d'enfiler différents costumes. Ça commence avec le tout premier, quand il n'était pas encore un super costume. Voilà, il a bricolé ça. Après, il y a celui de l'épisode de 2012, qui paraît assez ridicule quand on le regarde maintenant. Celui d'aujourd'hui est quand même un peu plus classe. Voilà, c'est au niveau du slip que ça se passe. Et puis, des petits mouvements. C'est vrai, c'est classe aussi. La capture de mouvement est très bien dans ce jeu. Et puis, il y a des costumes un peu plus barrés. Voilà, c'est le costume de Ultimate Spider-Man. Voilà, je vais garder celui-là. C'est celui du film, hein, donc on va le garder. Et on va retourner faire une mission. Donc, vous voyez, ça, c'est les missions que j'ai déjà faites. Et je peux choisir de rejouer les missions. On va aller voir Kraven. Voilà, je vais vous faire voir le chasseur. C'est assez rigolo. On va pas trop faire la mission, on va surtout se balader dans la ville. En plus, la mission, en l'occurrence, c'est une mission en Peter Parker où il faut prendre des photos. Alors voilà les méchants, genre Kingpin. vous remarquerez la taille du gars. Alors pas lui, évidemment. Le gros chauve derrière. David Douillet à côté, c'est rien. C'est un hobbit. Évidemment, on le voit pas. Barre-toi. J'annonce notre partenariat avec un homme qui, comme moi, est récemment revenu dans sa ville natale pour proposer son aide. Alors vous voyez, les visages sont pas au top. Hein. Une main de ce gars, c'est deux têtes des autres. C'est juste hallucinant. Voyez. New York a fait de moi l'homme que je suis. Et pour les doublages, ils se sont bien lâchés, évidemment. Mais bon, c'est du comics, moi je trouve que ça marche, ça passe finalement. Allez, je passe. Et on va aller voir Kraven, si je n'en suis pas empêché par cette espèce de brigade spéciale qui est spéciale anti-moi, quoi, finalement. C'est une brigade qui court après Spider-Man. Donc, s'ils considèrent que vous êtes pas un très bon super-héros, c'est-à-dire que vous ne passez pas votre temps à sauver les gens, etc., ils vont vous courir après. Si vous avez assez d'actes d'héroïsme, là, en revanche, ils vont vous foutre la paix. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller friter 2-3 brigands pour remonter un peu mon karma, on va dire, histoire d'être tranquille. Vous voyez, encore, temps de chargement un peu pénible.
Ça m'oblige à meubler pendant ce temps-là. C'est un vrai boulot de professionnel chez Marcus. Hein. Voilà, ça y est, j'ai le droit d'y aller. Très bien, allons-y. Donc là, voilà la brigade spéciale. Eux sont plutôt bien équipés. Vous êtes autorisés à initier la phase 1 du protocole d'élimination. Je répète. Vous voyez, ils ont des drones. La phase 1 du protocole d'élimination. Et donc, moi j'ai une sorte de jauge d'héroïsme. Et en fonction de la jauge d'héroïsme, voilà, si elle est dans le rouge, ils vont me courir après. Si elle est dans le vert, tout va. Ça serait le bon moment pour arrêter des criminels. Tant que la brigade spéciale leur met la pression. Donc vous voyez, on voit la ville deux jours maintenant. Je dois penser à un autre mode de transport. Avec un petit brouillard pour cacher le fait qu'ils sont pas foutus d'afficher toute la ville en entier. Alors qu'on est sur PlayStation 4 en 2014, je le rappelle. Voilà. Donc c'est un peu la honte. Mais regardez comme il est gracieux, quoi. Moi, je m'en fous que ce soit pas si beau. Ça fonctionne. Je suis comme un gamin, je me sens vraiment comme un gamin. Je suis content d'avoir Spider-Man, de marcher au mur, etc. Alors regardez, sur la carte, on voit qu'il y a des endroits où il se passe des choses. Les petits points, là, c'est des petites frappes. Là, ça a des incendies. Je peux aller sauver quelqu'un d'un incendie. Donc allons, par exemple, arrêter un criminel. Plutôt rigolo, puis on verra un peu de bagarre. Parce que c'est ça qu'on aime dans Spider-Man. La bagarre. Évidemment, comme d'habitude, on utilise la toile pour se friter de manière assez spectaculaire. Vous allez voir qu'ils ont repris le système de jeu de Batman, ils ne sont pas foulés, avec des contres, des combos, des trucs comme ça. Bien basique, mais je m'en fous. C'est Spider-Man. C'est terrible là, d'être comme ça, je sais. Plein d'autres gens, je sais pas quel a été le test sur nos lives, quelle appréciation a eu ce jeu, mais voilà, je pense que ça ne doit pas être un jeu moyen. Je le reconnais volontiers. Simplement, voilà, moi j'adore. Allez. On nous signale des troubles à l'ordre public. Oh. On va vous donner la position. Ne me mens pas. J'ai vu ta voiture devant chez elle. Alors allons-y. Les disputes entre eux, ils sont pas bien barrés. Donc dès que j'ai mes sens d'arrêt en alerte, les petits trucs rouges, hop, j'appuie sur le triangle pour contrer. Donc ça, c'est vraiment le truc de Batman. Vous voyez, ça permet de faire des contres un peu spectaculaires. Des fois sur deux adversaires, si je me débrouille bien. Planté là. Voilà, j'ai compris rien dans le vide. J'ai le droit d'utiliser les objets du décor, certains objets. Voilà. Pour leur balancer sur la tronche. Et puis j'ai ma petite toile d'araignée pour les scotcher au sol. Bon, tu m'as convaincu. On se bat. Voilà. Et maintenant. Toujours un plaisir de bien il est temps de sortir les ordures. Il arrête pas de faire des vannes. Et franchement, les vannes sont pas trop mal. Je les trouve assez sympas. Spider-Man a encore démontré qu'aucun délit ne pouvait échapper à sa vigilance. Sacré Spider-Man. Très bien. C'est un plaisir de passer aux infos. Voilà. Donc là, regardez. Ma jauge d'héroïsme va remonter. Voilà. Tant qu'elle est dans le bleu, tout va bien. Si par contre, elle passe dans le rouge, là, j'ai la brigade spéciale aux fesses. Allez, on va se promener un petit peu. C'est la dernière fois que je mange de l'ail avant de mettre mon masque. Oh. Elle est bien, cette vanne. Dans le film, vous verrez, un moment, il est remé. Donc... Attachez vos ceintures. Il éternue dans son masque. Voilà. Donc, c'est typiquement le genre d'humour qu'on trouve dans le film. Je trouve que sur ça, ils sont super raccords. On va peut-être se faire une course-poursuite avec une voiture. Je trouve ça rigolo. Les incendies, c'est rigolo aussi. Il faut aller sauver quelqu'un qui est prisonnier d'un immeuble en flammes. Donc, c'est vraiment le truc de super-héros super classique. Mais ça marche plutôt bien. Donc regardez, c'est quand même beau New York. Et puis surtout, c'est beau sa façon de se déplacer. Quoi. Moi, j'adore. Sauf que là, je fais un peu n'importe quoi. Petite info, les toiles doivent s'accrocher quelque part. Voilà, vous voyez mon gueule, Emilier, il faut quand même accrocher la toile quelque part. Ça ne se fait pas comme ça, mon petit bonhomme. Voilà. Donc ça, je trouve c'est bien, sa façon de se déplacer. Elle est plus réaliste qu'avant. Avant, cette toile s'accrochait un peu dans le vide, un peu n'importe où. On sentait bien que c'était pipeau. Là, si vous n'avez pas de point d'accroche, eh ben tant pis. Donc l'idéal, il faut faire l'inverse de ce que je viens de faire, c'est-à-dire qu'il faut prendre les grandes artères, parce que là on a toujours de quoi s'accrocher, et pas essayer de passer au travers des immeubles, sinon on perd du temps. Là, je vais reprendre un peu d'élan. Ah, vous pensiez que je pouvais pas être plus classe? Je suis bon public, hein, je suis désolé, mais ça me fait rire ces vannes. J'ai trouvé bien. Et puis sa petite voix est pas mal. Autant d'habitude, je trouve dans Infamous, on a toujours des voix de branleurs. Là aussi, mais c'est quand même la voix de Spider-Man, donc ça le fait. Je me demande si les criminels apprécient tous les efforts que je fais pour les dénicher. Sans doute, mon bon Spidey. Allez, j'y suis presque. Je vois la bouche d'entrée, je suis à 500 mètres du truc. Alors encore une fois, voilà, je peux décider d'aller me foutre par exemple là-dessus.
juste pour prendre une pause super classe, quoi. Voilà. Ça, c'est quand même super. Et ce système-là est vachement bien. Évidemment, ça marche aussi quand on se bat. On peut arriver sur un méchant directement. Voilà, je peux aller directement sur cet immeuble. Ça permet de se déplacer de manière super précise, en fait. Voilà, juste pile poil sur le tuyau. C'est beau, non? Ah, j'y suis presque. Je vois la petite voiture. Vous voyez, là, c'est pas bien ce que je fais. J'essaye de couper à travers les immeubles, mais je perds du temps. Alors, allons-y. Je vois une voiture. Elle est pas loin. On va lui sauter dessus. Et on va se livrer à une petite course-poursuite. Pour essayer de libérer les otages qui sont dans la voiture. C'est parti. Donc ça, c'est une petite séquence à part qui se déclenche. Donc vous avez vu, ça fait une ville ouverte à la GTA. Mais il n'y a pas grand-chose à faire, finalement. C'est pas très ouvert non plus. Tout ça se déclenche au fil des scénarios. Boum! Voilà, là j'ai pété le pare-brise. Très bien, pouvoir me mettre derrière, essayer de l'ouvrir. Voilà, essayer de sauver cette petite dame. Donc, vous voyez, c'est du quick time event tout bête. Hop, je me suis fait éjecter, je reviens tout de suite. Mais je peux quand même passer sur le côté. Voilà, tout autour de la voiture. Pour éventuellement désarmer un méchant s'il essaie de me tirer dessus. Ah oui, allez, il va pas se laisser faire. Vous voyez, il est sur le siège passager sur le côté. Donc je vais y aller. Non, faut d'abord que je me débarrasse du gars. Ok. Mais non, mais je m'occupe pas de la. Je veux pas m'occuper de la fille, je m'occupe du mec d'abord. Je vais passer par l'avant de la voiture. Voilà, ça c'est mieux. Donc, 2-3 bourre-pif. Voilà. On va le sortir proprement de la voiture. J'ai un temps limite pour faire ça, donc il faudrait quand même que je me dépêche. Mais c'est quand même super classe. Là, il me tire dessus, donc il faut que j'esquive. Voilà. Et maintenant qu'il n'y a plus de gangsters à l'arrière, on peut sortir mémé du truc en appuyant comme un forcené sur carte. C'est de la quick time event comme j'aime bien, puisqu'on tapote pour montrer ses muscles et ça me va. Voilà. Et la bagnole, on est tout. Bah voilà. Un petit peu la classe quand même, non? Ah, et encore les news. On ne s'en lasse pas. En quelques minutes, la voiture était arrêtée et les coupables. Alors, ce qui veut dire, c'est plutôt les trucs en bas. Regardez, la tombe de Dracula bientôt ouverte au public. Ils ont permis de faire des petites vannes en bas. C'est assez sympa. Allez, encore un acte héroïque. Bah, super, ma jauge va être peut-être pas au maximum. Voiture 42, on signale un affrontement dans le coin sud-ouest de Central Park. C'est peut-être des gangs. Vous pouvez aller voir? Ah oui, alors juste vous fais voir le fil de l'araignée, parce que vous n'avez pas vu ça encore. C'est très joli. Faut que je me perche sur un truc, genre ça par exemple. C'est à quelques rues d'ici. J'y suis en un coup de toile. Et regardez. Ah non, ça c'est. Voilà. Je me suspends et je peux descendre. Voilà. Ça permet de faire des éliminations furtives comme le fait Batman par exemple. Donc il y a vraiment des trucs beaucoup pompés sur Batman, qui est beaucoup plus réussi hein, artistiquement et même au niveau du jeu, c'est beaucoup plus riche Batman. Mais c'est pas Spider-Man. On ne peut pas les confondre. Alors là, on m'appelle dans Central Park, ça va pas être facile de s'accrocher à quelque chose. Il y a quand même 2-3 arbres qui nous permettent de le faire. On va aller voir ce qui se passe. Spider-Man ? Alors là, je me barre. Araignée ! Tuez-le ! Je sais ce qui vous inquiète. Vous pensez que je suis derrière Mark Schultz parce que... Alors regardez, tout à l'heure je l'ai pas fait, mais je peux utiliser ma petite toile pour les emprisonner. Je l'ai fait tout à l'heure quand ils étaient finis, mais on peut le faire bien avant. Je peux aussi faire des petits coups de toile de loin. Ou les rapprocher de moi. C'est au choix. Voilà. Soit je fais un petit truc en extension. Bim. Voilà. Ou alors je peux charger ma toile. Va te secouer! Bon, balancer. C'est une bonne idée. Petite esquive. Voilà. Dans la foulée. Bien, on peut lui faire avoir une belle esquive. Voilà. Ça, c'est pas trop mal. Bon, ça, c'était pas terrible par contre. Ça, c'est vraiment nul. Bon, bah, très bien. Allez, allons-y. Tant pis. On va les finir proprement. Je voulais faire avoir un maximum de trucs. Je peux, en plein combat, vous voyez, choisir ma cible tranquillement. C'est vraiment pas bien compliqué hein, comme façon de se battre. Mais c'est super spectaculaire. Et voilà. Donc je suis d'accord que pour un adulte, c'est peut-être un peu
un peu léger, hein. Mais jouer ça avec des enfants, c'est juste génial. Puis moi, je suis resté un grand enfant, donc évidemment, je kiffe. C'est mon boulot d'arrêter les voyous. Je peux t'aider. Midi, Craven. Je peux t'aider. Voilà, il parle anglais comme moi. D'accord, monsieur Craven le chasseur. Je suis intéressé. Donc on retrouve plein de persos. Des coups de feu à la gare routière. De Spider-Man, évidemment. Les suspects sont lourdement armés. Alors on va aller voir à la gare routière ce qui se passe. C'est là-bas, d'accord. De l'autre côté de Central Park, ça m'arrange pas parce que... À toutes les unités, des agents se font tirer dessus à la gare routière. Ah bah oui, faut pas laisser faire ça. C'est pas le meilleur endroit pour accrocher sa toile, Central Park, vu qu'il y a des arbres. Super. Mais... Voilà. Ouf. Ça tire un peu beaucoup, donc on va aller voir. Ah oui, puis on va se taper la brute. C'est assez rigolo. À un moment, il frite une fille, je sais plus comment il s'appelle, qui est hyper rapide. Je crois que ça s'appelle Vélos, c'est son nom. C'est un peu genre Flash. Donc, si vous avez vu les X-Men, je sais plus comment il s'appelle, le gars qui va Quicksilver, je crois qu'il va super vite. Bah là, c'est un peu ça. Et lui dit, voilà, qu'est-ce que t'as bu comme café? T'as vidé toute la cafetière. C'est assez drôle. Ah, autre truc assez drôle, j'adore. Regardez, quand il se penche comme ça, ça lui permet de regarder tout autour. Et on a l'impression qu'il regarde son sexe. Regardez-moi ça. Et on a l'impression que vraiment ça le travaille et on a eu un bon petit paquet là, c'est quand même pas mal. On a l'impression qu'il ne regarde que ça. Bon, c'est pas le tout, mais je suis là pour me battre contre ces gens, donc on va le faire. Par exemple, on va sauter sur eux. Est-ce que je pourrais lui faire une petite élimination furtive pendant qu'il se doute de rien? Voilà. Ah, j'ai pas eu le temps, mince. On a un petit peu vu. Lui par contre. Voilà. Pendant que ses camarades sont en train de tirer, il fait pas gaffe à ce qui se passe autour de lui. Vous avez vu ce petit coup de bélier, c'était super. Bon, il en reste encore, où sont-ils? Hop. Allez. Petite élimination classe. Comme Batman, hein, je passe de l'un à l'autre assez facilement. Et vous voyez le petit combo qui s'enchaîne à gauche. 15. Observe bien. Je le ferai qu'une fois. Merci de nous donner un coup de main, Spider-Man. Faites quelqu'un de bien. Voilà. Je crois que j'ai tout fait. Sauf lui. Il a quand même a pu prendre un t-shirt un peu plus gros, parce que là, c'est pas joli. Alors, secousse sismique, bah ça va pas être facile. Spider-Man ne fait pas de favoritisme. Ah oui, c'est pas lui qui fait, pardon. C'est parce que je me suis battu contre le Shocker. Donc lui, il provoque des vrais secousses sismiques, ce qui est assez rigolo. Et Spider-Man lui dit, oh, tu pourrais faire fortune dans les milkshakes. Je sais, c'est con, mais quand j'étais petit, je lisais Spider-Man et c'était ce genre de vanne et je trouvais ça super drôle, quoi. J'aimais beaucoup. Une victoire est une victoire. Spider-Man. Ah bah la brute, ça a été vite vu, dis donc. Et voilà le chasseur. Alors, seul regret, regardez, ils l'ont un peu modernisé, il a pas son costume de lion. Je trouvais que c'est trop classe. Tu manques d'expérience. On sent bien que c'est fait en peau de lion, mais c'est pas pareil. Je suis assez expérimenté pour cogner vos copains. Je suis russe, mais je n'ai rien à voir avec ces chiens. Ouais, parce que là, je m'en prends au gang de la mafia russe. Mais on m'appelle Craven le chasseur. J'ai eu votre message, mais d'après mes recherches, vous êtes un... Regardez bien ces petits mouvements, parce que je trouve que les mouvements, la capture de mouvement est assez géniale. En quoi c'est censé m'aider, hein? Il en fait des caisses, mais ça marche bien. Et dans les combats, il y a vraiment des mouvements hyper gracieux. Je peux faire de toi un vrai chasseur. Donc il va me donner des leçons de chasse. Mais pour ça, il va d'abord falloir que j'aille chez lui. Parker, où sont vos photos de la conférence de presse Fish-Cosborne? Oh, pardon, monsieur Jameson, mais j'avais cours. J'ai une vie en dehors du boulot. À mon époque, le travail passait avant tout. Vous ne méritez pas votre carte de presse. Voilà, les vieux classiques. Alors, il y a aussi des missions photographiques où il faut aller prendre des photos. À vrai dire, je crois que cette carte de presse va m'être très utile. Il y a des photos à prendre de faits divers, des trucs comme ça. Ce serait chouette de sentir que je suis pas le seul à mener ce combat. Pour le fameux et délicieux. Je peux avoir confiance en Craven. Craven ne semble pas connaître ma véritable identité. Sinon, il serait venu chez moi. Je me demande. Je me débrouille mieux tout seul. Mais en même temps, j'ai jamais fait autrement.
Si Kraven m'enseigne ses techniques de chasse, je dépendrai plus des communications de la police pour traquer les criminels. Voilà, j'ai dit son petit monologue pour vous montrer que c'est aussi ridicule finalement que je râlais dans une fameuse seconde sonne où le mec, tout en se battant, parlait à son frère avec un ton superposé, mais c'est pareil dans tous les jeux. Ok, pas de panique. Sauf que là, c'est Spider-Man. J'ai besoin d'informations sur Kraven et je peux me servir de ma carte de presse. Aucun problème. Sauf que s'il découvre que je suis photographe et pas journaliste, il risque de me transformer en trophée. Allez, on va aller faire un saut chez Kraven. Comme ça, vous verrez son petit intérieur, qui est très joli, ma foi. Pour moi, c'est une des bonnes idées du jeu. On va dans le loft de Kraven. C'est parti. Je sais pas ce qu'il fait. C'est hors champ. Il s'est déshabillé, en fait. C'était juste ça. Et allez, un petit temps de chargement. Encore une fois, ça, c'est un petit peu pénible. Donc, bon, moi, j'adore Spider-Man. À 60 euros, honnêtement, je ne mettrais pas 60 euros dedans. Mais d'occasion, un peu plus tard, à 20, 30 euros, c'est raisonnable. Et pour vous dire à quel point j'aime ça, le premier Amazing Spider-Man, en 2012, je l'avais fini. Malheureusement, j'ai pas le temps de finir beaucoup de jeux. J'en finis 3-4 par an. Donc, c'est en général Mass Effect, Red Dead Redemption, enfin, des gros trucs, quoi. Et ben, Spider-Man, Amazing Spider-Man, j'ai pris plaisir à le finir, vraiment. Donc, voilà. C'est pour ça que je me permets de vous recommander. Monsieur Kravinoff. Monsieur Kravinoff. C'est moi, Peter Parker. Faut pas que ça coûte trop cher non plus. Bugle. On s'est parlé au téléphone. Et la porte était ouverte. Monsieur Kravinoff. Donc regardez un peu les trophées de chasse. C'est pas de la gnognotte. Il y a carrément du crâne de T-Rex. C'est pas rien. Donc bon, je vous passe les détails, je vais l'interviewer un petit peu, voilà. Et vous voyez qu'on a des dialogues, qu'on peut choisir les répliques. Qu'est-ce que vous pensez de la brigade spéciale, par exemple ? Cette nouvelle brigade spéciale envoie un message clair. Alors bon, contrairement à Mass Effect, ça sert à rien, malheureusement. Mais bon, c'est sympa de l'avoir mis, quoi. J'ai l'impression d'essayer de leur trouver plein d'excuses, mais il n'y a pas d'excuses à trouver. On aime ce genre de truc, on aime, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Faut juste que ça coûte pas trop cher, c'est toujours ça le truc, hein. Un jeu à 60 euros, quand on a des jeux sur smartphone à 2 euros, évidemment, à 89 centimes, on a du mal à lâcher 60 euros pour un jeu qu'on va appeler, qu'on va dire, moyen. J'en serais capable en même temps, parce que vraiment, j'adore. Mais voilà, donc faut être raisonnable, je vous recommande quand il sera un petit peu moins cher. Voilà, allez, je vais prendre des photos, donc je ressors mon appareil photo, on va prendre une petite photo du T-Rex. Burk, je dois mieux cadrer mon sujet. Oh bah dis donc. Alors, ok, on va se mettre comme ça, sur le côté. Je devrais trouver un meilleur angle. Ah bon, d'accord. Pourtant, moi, ça me paraissait intéressant. Il y a quoi d'autre ? Je vais regarder avant. Ça ferait une super photo, bah oui. Tu as un angle préféré ? Indique-le, mon garçon. On va essayer de là. L'image n'est pas assez nette. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. On va prendre en photo, par exemple, ce très beau trophée d'éléphant. Elle est bonne. Je sais pas de qui parle, mais... Ah, de la photo, ça va. C'est pour les enfants, Spider-Man. Hein. Je vous le rappelle. Alors, si je me mets là, comme ça, de loin. Et je cadre bien serré. Excellent. Je sais pas si t'as remarqué, Marcus, mais l'œilleton devient vert quand c'est bon. Ah, Alex, mais oui, il a raison, Alex. L'œilleton devient vert quand la photo est bonne. Voilà, tu vois. Ah, joli. Oh, dis donc, Alex, mais quel sens de l'observation, bravo. Celle-ci est à conserver. Voilà. Bah, objectivement, je voyais pas trop la différence entre... Pardon pour cette interruption. Entre les photos. Est-ce que vous voulez voir mes derniers trophées ? Mais volontiers, mon petit bonhomme. Il nous fait visiter sa maison, j'en profite. En plus, c'est un des rares intérieurs qu'on voit dans le jeu. Donc, faut quand même en profiter, regardez ça. Avec, il fait la couverture de magazine et tout. Avec, en train de tuer des lions, des ours polaires et tout. C'est assez rigolo. Voilà. Donc, il y a des têtes de rhinocéros et tout. Et voilà, 2-3 ennemis qu'on a connus dans notre jeunesse. Le scorpion. Voilà. Des mutants. J'en prends au Hitman, parce qu'on n'aime pas les mélanges animaux, en fait. Spider-Man ne les avait pas capturés. Une solution inadaptée. Ils ont fui. Et vous, les avez tués? Pour sauver la vie de leur victime, oui.
Voilà, donc et... bon, il passe encore, mais voilà, il va devenir... Oui, non, on termine la conversation. Dernière question. Il va devenir mon allié dans cette lutte contre les gangs et tout ça, et il y a un mystérieux mec qui s'appelle Carnage Killer qui bute tout le monde. J'aimerais que mon va s'en occuper aussi un petit peu. Voilà, donc le scénario, on aperçoit Electro un moment, mais c'est pas vraiment calqué sur le scénario du film, encore une fois. Et tant mieux après tout, parce qu'en général, les adaptations de films, c'est pas super réussi. Mais je ne sais pas ce qu'il va dire. Allez, je veux sortir du loft, il faut que je reparte de l'autre côté. Avec la musique, regardez la peau de tigre auprès du piano. C'est quand même classe. Donc voilà, ils ont voulu se la jouer un peu GTA avec un monde pseudo ouvert qui n'est pas vraiment. Vous avez toute la ville de Manhattan. Je vais pas faire le difficile, mais c'est pas énorme hein, par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Regardez le dernier GTA, il y a carrément toute la région. Il n'y a pas que la ville, il y a tout ce qu'il y a autour aussi. Watch Dogs, c'est pareil, il y a Chicago, mais il y a aussi plein de choses à faire autour. Il y a de la finesse dans GTA et dans Watch Dogs. Là, il n'y a pas beaucoup de finesse. C'est un gros comic, c'est un gros dessin animé. Voilà, bah j'ai fini cette petite mission. Bah écoutez, je propose qu'on aille se promener, on va aller faire un petit tour en ville. Et puis on va s'arrêter là, je pense, de toute façon, parce qu'on a bientôt fini, les petits amis, non ? Alex, il nous reste combien de temps ? Ouais, on peut s'arrêter là, ouais. On peut s'arrêter là. Bah écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour. Alors, c'est la dernière émission de l'année, les petits amis. C'est ça qui est dingue. Donc voilà, je vais faire un petit au revoir. Vous souhaitez des bonnes vacances. Profitez-en bien, profitez-en pour jouer. C'est le moment, vraiment, où il faut vraiment en profiter. Et puis, un dernier petit truc. Vous savez qu'il y a Japan Expo bientôt. On va se retrouver à Japan Expo. Et je vous ai préparé une petite surprise. Figurez-vous que vous m'avez fait le plaisir de ressusciter mon héros, l'Intrépide. Souvenez-vous, c'est lui. C'est un héros très mal dessiné dans les années 70 par ma petite personne, une BD complètement pourrie. J'ai mis sur internet, vous avez été des centaines à envoyer des hommages. Regardez ça, des trucs absolument magnifiques. Vous l'avez refait dans tous les styles. Il y a même des figurines, il y a des mecs qui viennent me voir en cosplay de l'Intrépide dans les conventions et tout. C'est un vrai bonheur. Et parmi tout cela, il y a Guillaume Lapeyre et Rémi Guérin qui m'ont envoyé ce dessin de l'Intrépide absolument magnifique. C'est les créateurs de City Hall, le seul manga que j'aime bien au monde parce que j'aime pas trop les mangas. Mais celui-là est un peu steampunk avec Jules Verne et tout, Edgar Allan Poe, donc j'aime beaucoup. Et ils m'ont dit, quand tu veux, on fait la suite des aventures de l'Intrépide. Eh ben, ça y est, les petits amis, la suite des aventures de l'Intrépide est prête. Voilà, il y a un projet de couverture, c'est pas forcément le truc définitif. J'ai déjà des pages, on a fait le scénario ensemble avec Rémi et Guillaume à tout dessiner. Ça fait super plaisir de voir l'Intrépide avec enfin des pectoraux bien dessinés, une bonne gueule et tout, mais qui garde évidemment son esprit des années 70, il dit toujours sapristi et sa perlipopette. Et voilà, donc rendez-vous à Japan Expo pour découvrir l'Intrépide. J'aurai un petit cadeau pour vous si vous venez me voir, quelques pages de l'Intrépide en avant-première. Et le 29 août, c'est-à-dire presque à la rentrée début septembre, l'album, le premier album de l'Intrépide, 37 ans après sa création, va sortir. J'en suis super fier et super content. Donc voilà, on en reparlera à la rentrée. Voilà, mais en tout cas, bah, bonnes vacances à tous. On se voit à Japan Expo avec l'Intrépide en vrai, c'est mon Spider-Man à moi. Et puis, amusez-vous bien, profitez-en bien, jouez bien, et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures de chez Marcus. Ciao!